Ce record, il nous le faut parce qu'on veut deux Guinness des records dans cette vidéo. Hello! Le record du monde avec ses PQ, c'est parti! Un handicapé qui se met du papier toilette sur la tête. Lui, c'est Brian, 23 ans, toujours célibataire. Ah là? T'es un vrai guerrier, toi. Ok. Là, je viens de battre un record du monde. T'as réussi? C'est quoi le bordel? Attention, Marco! Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, je suis avec mon ami le skateboard. Je vais prendre ma revanche sur cette rampe, j'ai galéré. On a ce magnifique skateboard. Oui, c'est celui avec lequel je m'étais pété la gueule. On va remettre une petite image, hein, c'est pour moi, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, je vais prendre cette revanche sur la rampe. Non, je déconne. Mais par contre, je pourrais le faire si vous mettez 8000 pouces bleus à cette vidéo. Deuxième partie de cette rampe. Suis-moi, Marco. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui devait se passer. Je dis ce qui devait parce qu'en fait, Dave arrive trop tard aujourd'hui. Il va arriver vers 15h, 15h30. Du coup, on n'a pas le temps de faire tout ce que je voulais qu'on fasse. Parce que je voulais qu'on déblaye tout ça, là. Toute cette grande herbe haute. Cette jungle. Fais attention, Marco, parce qu'il y a des merdes un peu de partout. Là. Je voulais tout déblayer, virer cette moto, cette petite cabane, la remettre au pire, la laisser là une fois que c'est tout propre, mais vraiment faire un truc propre pour que Elias puisse jouer dedans, parce qu'il y a des araignées de malades dedans, il y a que des trucs de fou. Ça pue vraiment, hein, par contre. Ouais, c'est dégueulasse. Et cette niche qu'on avait mis cœurs et âmes avec Dave à construire, donc on va la démonter déchetterie. À moins que quelqu'un dans cette vidéo la veut pour son chien ou je sais pas, et qu'il vienne la chercher, parce qu'en vrai, en soi, elle est encore neuve. Elle est protégée par toutes les herbes qui la recouvrent. Pourquoi on voulait faire ça? Soit, et pareil, vous pouvez choisir les gars, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Soit on fait un gros bac de mousse, comme ça on peut sauter du toit, faire des figures et tout, et atterrir dans de la mousse, ou alors carrément rallonger un peu la rampe de skate pour pouvoir parvenir en moto à sauter dans un bac de mousse, parce que là on a vraiment la place hein, pour faire ce qu'on veut. Ou soit on met une grosse piscine, vu qu'il y a l'été qui arrive, on met une piscine pour, je sais pas, un mois et demi, deux mois, une piscine hors sol, à, je sais pas, 1m50 de hauteur, 2m, et puis pareil, on peut faire une vidéo avec un toboggan qui part du toit, enfin des petites dingueries comme ça. Ça c'est beau. Dites-moi pareil en commentaire ce que vous préférez voir ici, soit bac à mousse, soit piscine. En attendant, j'ai un petit creux, donc on va aller manger parce qu'il est bientôt midi, et restez très attentifs parce que ça va être une vidéo remplie d'imprévus comme d'habitude, et bonne vidéo à vous. Ouais. Bon, je fais toi plaisir. Mais j'ai entendu, mais t'as mis 4 coups de bazooka. Le mec, je suis en train de dormir, il est 9h du matin, il met des gros coups de bazooka juste en dessous là. C'est quoi le bazooka? Bazooka, c'est. Tu sais pas ce que c'est, Marco, le bazooka? Non. Mais non. On va te montrer. Oh putain, on va te montrer, Marco. Je mange ma pizza tranquillement, et après, je te montre ce que c'est le bazooka. Tu vas coller. C'est un truc que Dave, il a reçu là, c'est magnifique. Transparent avec la communauté. Ouais, bah toi, c'est sûr qu'ils sont transparents, tes vêtements. Brian. Oh, encore. Mais arrête de fumer! Mais arrête de me fumer là! Brian, est-ce que t'as trouvé le record que tu voulais faire? J'y pense encore. J'y pense encore, t'as pas trouvé encore. Parce que les gars, en fait, avec Brian, on a une grande envie depuis 2-3 jours, c'est de battre un record du monde. Que ça soit un record du monde pas non plus extravagant, tu vois. Pas à faire courir pendant 4 jours d'affilée sans s'arrêter. On veut juste notre nom dans le Guinness des records, quoi. Et du coup, on cherche. Moi, j'en avais trouvé un. J'allais acheter ce qu'il fallait, là, il y a une heure avec Marco. Et en fait, on est férié aujourd'hui, on est lundi de Pentecôte. Mais tu sais que j'ai du PQ chez ma mère. C'est vrai? Ouais. T'en as combien de rouleaux? Bah, elle a fait des stocks pour la guerre, elle. Mais tu sais qu'au cas où tu vas dans mon garage, t'as au moins, je pense, tu sais, les gros paquets là. Je pense qu'elle a une palette au moins. Non. Mais il me dit ça que maintenant, le mec. Ça fait une heure, je dis c'est fermé, on peut pas le faire. Bah, je sais pas ce que tu voulais faire, moi. Tu es parti à Cora Machine Pasta Bot à la base. Bah, ouais, mais du PQ aussi. Oui, le record du monde se fera avec du PQ. Bah, Brian, faut plus qu'on en trouve un pour toi. Ouais. Oh, je te laisse la pizza, Alan. Hello. Désolé, là, c'est un peu le matin. T'as pas trouvé un billet de vin dans ton lit? Ah, bah non, t'es pas rentré cette nuit, fils. Oh, ça tire à balle réelle, là. Un soldat touché. Je suis rentré, mais non, j'ai pas trouvé de billet. Jusqu'à 5h, ça l'a attendu. Oh là là. Quand je suis arrivé, je t'ai écrit un message, tu dormais, frère. Bah, non, la veille, oh, le mec, hier, ou avant-hier, et bah, 7h du match, j'entends le garage qui s'ouvre. Je dis, c'est quoi cette merde? Je descends comme ça, je regarde, je vois Alan posé dehors, 7h du mat, je dis, tu viens de te réveiller? Non, j'arrive pas à dormir, j'ai mal au bras. On dirait qu'il a fait des pompes toute la nuit. Non, justement, j'avais pas mal au bras. Tu les sentais plus, mes bras. Mais pourquoi? Mais ça me le fait des fois, c'est parce que je fais des crises d'épilepsie bizarres. Le rapport? Il y en a pas. T'es prêt pour ton record du monde? Ouais, mais faut bien que je mange avant, donc je fais une deuxième pizza. Non, je rigole, c'est pour Cob. Mais ouais, moi je suis prêt, hein, je suis chaud, j'attends juste que Brian il aille nous chercher le PQ, parce qu'en fait il nous a dit qu'il en avait chez sa mère. Il va aller chercher tout ça, et puis moi je vais commencer par le mien. Tu connais ça, Cob?
Non. C'est ça le bazooka. Tu connais vraiment pas, t'as jamais vu? Non, jamais vu. Ok, regarde. T'es prêt? Non, je rigole. C'est quoi? En gros, là, tu y remplis d'air. Attends, comment ça marche déjà? Ah, c'est air distribué? Ouais. Donc là, comme tu vois, c'est un espèce de patator, comme vous dites. Et là, il y a 10 bars, donc 10 kilos d'air comprimé dedans. Donc je te fais un petit test. Ça, je le mets là. Est-ce que t'es prêt? Regarde, comme. Tu vois un peu le recul que ça. Bon, tu veux une petite cible? Amuse-toi. C'est Adey. Regarde la position. Non, je pensais qu'il y avait plus de recul. Je pensais que ça allait me démonter l'épaule. En vrai, c'était un piège. Et là, on va attendre Brian. Il allait chercher le PQ. On va lui faire une petite blague. On va se mettre là et. Brian, dans la tête. Quand j'ai peur, j'ai envie de pisser. Oh, j'ai envie de chier. C'est quoi ce problème? T'as pu prendre le PQ, Brian? J'ai un souci technique. Mais non. Elle a tout utilisé pendant le confinement? Non. Tous ses stocks, elle les met dans le garage. C'est fermé. Elle m'a pas laissé la clé du garage. J'en ai 10. Là. T'en as combien toi? 4. 4. Ça fait 14, c'est bon, on peut battre le record. Ouais, c'est bon, le record c'était 12. C'est bon, Brian, on est bon! Il n'y a jamais de problème. Le record du monde avec ses PQ, c'est qu'il y a un mec, il en a mis 12 empilés comme ça. Sachant que un rouleau, je crois, c'est 10 cm, donc ça fait 1m20 de rouleau. Il en a mis 12 sur sa tête comme ça, debout, à tenir pendant plus de 30 secondes. Ça fait, hein. Wow. Je sens que là, si tu bouges un tout petit peu... Ah ouais. Fini. On va voir, hein. Mais non, mais ça passe pas. Ça passera pas. Fais 12. Tu vas pas être payé pour ce record du monde, hein. Regarde-le. Arrêtez de se faire. Un handicapé qui se met du papier toilette sur la tête, je suis obligé. Non, tu arriveras jamais. Tu peux pas. Impossible. Ah, ça bouge de ouf. Faudra pas que tu bouges du tout, ouais. Impossible. Ça va être chaud, sa mère. Combien il doit les garder sur lui? 30 secondes. Impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse mes cheveux. Et si tu les mouilles un peu, peut-être les aplatiras, non? Oh putain, le plan. Oh, le plan qu'il me fait, Marco, il est magnifique. Mon gros nez. Ah, putain, merde. Mais c'est pas mal, là, ce que tu nous fais, Brian. Attends, je t'en prends combien, là? Il y a tout, là. Arrête. Attends. Concentration. Il nous faut un chrono. Chrono iPhone, les gars. Ah, j'ai pas monté. Je l'ai. Mais attends, là, Brian, il le tient, ça compte pas. Ouais. Brian, il essaie le tient. Essaye de trouver le bonus. Prêt? Vous êtes prêts? Prêt, Sven? Moi, c'est bon, hein. Le chrono. Attention. 3. Lâche doucement. Hein. Ouais. 1. Chrono. Oh, je bouge pas. Allez. Fais pas pareil. Ça va tomber. Non. Là, vas-y, non. Oh, il est là. Oh, le record, le Guinness. On a combien? Faut qu'il passe combien? On est à 20, il faut qu'il passe 31, quoi. Il est à 30, la peur du monde. 5, 4, 3, 2, attends encore un peu. Là, t'as le record du monde, Attends, vas-y, va jusqu'à 35. C'est bon, 35. Mais oui. Il y a un problème, mais il y a... Le record du monde. C'est rien, ça. Le record du monde. Bravo. Ouais, bon, bah... GG à toi. Non, mais en fait, j'avoue que ouais, c'était un peu galère, juste les rouleaux de PQ, donc on a mis ça vite fait pour que ça tienne. Mais par contre, celui qui a fait les 12 rouleaux de PQ pendant 30 secondes, je le respecte. Il doit avoir un front plat comme le cul de Brian. Désolé. Je savais pas que t'étais là. Essayez chez vous. Franchement, c'est assez drôle. Et essayez chez vous. C'est un record du monde quand même. C'est ça qu'il faut se dire. C'est un record du monde. Essayez, filmez-le, envoyez-moi sur Insta. Si vous faites plus de 12 avec 30 secondes, là vous êtes chaud. Allez, Dave. Tu m'as acheté une RS5. Ouais. Mais non. Ouais. Incroyable, ça. Il a 18 ans. C'est 18 ans. Ouais. Un A. Bien. RS5 Grinardo. Ouais. Non, en plus. Gris Blanco. Ça va, Marquis? Ça va et toi? Ouais. Ça va et toi? Là, je viens de battre un record du monde, toi. T'as réussi? Ouais. Ah, mais faut qu'il y ait un... Ouais, il y a un arbitre, il y a un diplôme et tout, un cadre. Un vrai arbitre des Guinness. Ouais. Mais je pense que les mecs, quand ils vont voir la vidéo, ils vont être choqués, ils vont envoyer un arbitre direct. Ouais.
crois. Ouais, ouais, c'est obligé. Ouais, c'est vrai sûr. Record. Il y a pas de la thune à gagner là-dedans? Non, non. Ah, peut-être, hein. Je sais pas s'il y a de la thune, mais il y a un beau trophée Guinness qui va aller sur le bureau à Kiki, ouais, je pense. Là, ouais. Ouais. Bon, on va aller voir Brian. Il doit faire un record ou pas, du coup? Lui, normalement, son record, s'il est pas encore allé sous la douche, là, c'est de prendre sa douche le plus vite possible. Et en fait, le record de la douche, c'était 33 secondes. Un mec, il a pris sa douche en 33 secondes. Donc, qui comprend prendre une douche, c'est arriver dans la salle de bain, dans la douche, quoi, se rincer, mettre shampoing, savon, partout, hein, y a pas de juste on se lave les mains. Et après, se re-rincer, se sécher, enfin, se sortir de la douche, quoi, et se mettre en serviette. Ça en 30 secondes? 33 secondes. Brian me dit, ouais, mais ça, mais je te le fais en 15 secondes, moi. Donc j'aimerais bien voir ça. On va surtout se péter la gueule dans la douche. T'as vu la vidéo de Difool avec Brayou qui arrive en string derrière? Oui, j'ai vu, oui. T'as vu tous les commentaires sur Brayou, hein. Mais ils sont, c'est ce que j'avais dit, les 90%, c'est, ouais, les 15 incroyable, minutes, regardez. Incroyable, c'est une star. Ça lui a demandé de faire une chaîne YouTube et tout, hein. Mais oui, mais c'est une star, Brayou. Putain, c'est dommage, il va créer une chaîne YouTube, après il va faire les mêmes vidéos que vous, vous allez l'insulter dans 6 mois. Ouais. Il est chargé. Ouais. Ouais. Oh, mais il est con, hein, il allait le faire. T'imagines? Imagine balayette, tac. Bon Brian, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Alors, ce record, il nous le faut, parce qu'on veut 2 Guinness des records dans cette vidéo. Donc, le tien était pas très bien réussi. Hein. Le mien, il est réussi, il est passé à l'aise, 35 secondes, on tu as bien vu. On en veut un officiel. Oui, on en veut un officiel. Donc là, le principe, c'est la douche en 33 secondes, comme tu l'as dit. Tu as dit que tu n'avais pas trop de place, mais c'est pas grave. On va se dire que c'est un truc à battre encore plus fort, tu vois, encore plus dur. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, tu vas arriver devant la douche. Tu te mets directement, tu te dessapes en premier temps. Tu restes en caleçon, hein, tu te mets pas à poil. Ah, mais le déshabillement, ça compte dans les 30 secondes? Ok, tu te dessapes, t'arrives en caleçon, on met le chrono. Ok. Tu te dessapes, bam, caleçon, on met le chrono. Là, direct, l'eau en premier temps. L'eau, 5 secondes d'eau. Ensuite, tu prends directement, bam, tac, shampoing, savon, tac, partout, 3 secondes de savon. Comme ça, là c'est bon, peut-être 4, on est à 9 secondes. Ensuite, tu reprends l'eau. Rinçage, partout. Là, on est à 15 secondes, à mon avis. Et puis ouais. après, je te donne ta serviette, tu te sèches et on est dans les 20 secondes. Donc, et t'as gagné. J'ai encore 10 secondes. T'as encore 10 secondes pour faire bonus. Ce que tu veux, ta petite pub. Genre, ouais, Bobby Soft sur Insta, des trucs comme ça. Ok? Mais fais attention parce que ça glisse. Hein. Le record du monde, c'est parti. Go, 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 go! Ouais, je pense qu'on a le record. Je pense qu'on l'a. C'est même sûr, faudra contrôler. On va demander la barre. Les gens ils collent, okay, ils s'arrêtent limite. Grosse douche au Karcher. Putain, t'es un fou, hein. T'es un malade. On vient de vérifier la barre. On vient de vérifier. Et on est à 30 secondes. Allez, on a 3 secondes d'avance. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez la coupe à la maison pour Brayou. Ouais. Et Brian? Prochaine vidéo, j'ai le trophée dans ma chambre. Les 3 secondes que t'as gagné, c'est 3 secondes que je te laisse pour faire une pub. La pub, c'est tout de suite. Lui, c'est Brian, 23 ans, toujours célibataire, à la recherche de l'amour qui fera chavirer son petit cœur. C'est vraiment un putain de fragile. Ses réseaux s'affichent juste ici à l'écran. Ajoutez-le en masse. Et les filles, bombardez-le de nude. Bah c'est bon, tu l'as eu ton record en vrai. Et ouais, t'as vu ça. Transfert, il était fier, hein. Mais fais attention les dés avec lesquels tu joues aussi. Pourquoi? Ah ouais, c'est grave, c'est comme le pistolet Fortnite. Ouais, fais attention à ça, mec. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Tu veux que je te montre ce qu'ils font? Ouais. Attends, tire les déjà toi. 7. 11. 11. Oh le con. Qu'est-ce que t'as fait là? Le double 6. C'est le pire 6. Chiffre. T'entends ce bruit? Ça vient de la cabane, non? Je crois bien. C'est quoi ce bordel? Ouais.
quoi ce bordel? Putain. Mais on a atterri où? Ça me fait quand même vaguement penser à un film ça, non? Pas vous? Si vous avez la ref, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On rentre dans une cabane, on sort dans une forêt, mec. On a atterri dans un... C'est qui ce fou? Excusez-moi. Toi? Alain? Mais c'est toi, grand malade? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là, ça fou? Bah rien, le jeu m'a aspiré, du coup... Ça fait 10 minutes qu'on le cherche, mec. Au moins 10 ans que je suis là. 10 ans? Ouais. Mais t'es un... T'as fait quoi pendant tout ce temps? Bah rien, je me suis fait une cabane. Putain, terrible ta cabane. Oh la hache que tu t'es fait et tout, mais mec, t'es un vrai guerrier, toi. Ok. Excuse-moi. Arrête. Arrête ça. C'est bon, ouais, c'est bon. Toi aussi, le caméraman. Alan, sérieusement, on est venu te chercher là au cas où. Je reste ici, moi. Comment tu restes ici? Viens, viens, viens. Ici. On peut ressortir. On sait je où est la mieux sortie. Ici. Je suis mieux ici, je t'ai dit. On sait où est la sortie. Laissez-moi ici. Ok. T'es sûr? Changez, Alan. Bon bah écoute. Salut hein. C'est vrai qu'on vient le chercher. Il veut même pas revenir. Mais il va devenir quoi? Bah je sais pas. Je sais même pas où on est. On va re-rentrer nous. Alan ne veut pas revenir avec nous à la maison. Il se trouve mieux là-bas avec son feu et sa petite famille de bout de bois. Donc on va rentrer nous hein. Et puis on va continuer notre vidéo hein. Truc de fou. C'est un truc de malade quand même. Il embarque la cabane. Oh, ce truc de quoi, malade ce truc. Ça m'a choqué au cas où. Oh Alan, putain, dommage qu'il a voulu rester là-bas par contre. Il trouve vraiment un truc de malade. Il trouve vraiment que la vie c'est de la merde ici. Mais en tout cas, tu sais qu'il faudra plus jamais jouer avec CD hein. Là, là, il est bien, on a de la chance, mais si c'est toi qui étais passé là-bas, on va les brûler, c'est des... Non, on va les mettre de côté, comme le pistolet. Bon, on va vite rentrer, parce que moi, à 22h, j'ai un stream. Hein. N'oubliez pas, soyez là. Dernière petite chose, les mecs. J'ai vu dans ma dernière vidéo, je vous ai fait une petite pub par rapport à mon Twitch, et on a plus de 1000 personnes qui sont venues s'abonner à moi. Donc, merci beaucoup déjà à eux. Je vous remets le lien ici et dans la description. Si vous voulez venir pour me regarder jouer à la Play ou alors parler avec moi, etc. Vous êtes les bienvenus. Je parle avec tout le monde et je joue avec vous. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Attention, attention, Marco.